Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Alors aujourd'hui, il fait super froid, d'accord? Ça se voit, j'ai mis un manteau de survie, il fait froid de fou. On va se faire un programme d'eau, ok? Mais avant que je fais tout, il y a une chose que je tiens à dire avant de commencer. Fais des tractions, ok? Avant ce programme d'eau, fais des tractions, échauffe-toi, c'est important. D'autant plus là, il fait froid, il fait très très froid, il faut s'échauffer, d'accord? Je vais pas commencer par les tractions ensemble, on fera pas de tractions ensemble parce qu'il y a plein de personnes qui commencent la musculation et que les tractions c'est un mouvement assez dur. Et si j'en fais, c'est du 4 x 10 répétitions avec 2 secondes de contraction en haut. Donc, ça, je pense que c'est pas tout le monde qui sait le faire. Et moi, je vais de m'adapter sur des programmes que tout le monde peut faire. Néanmoins, cela reste un programme avancé, d'accord? Un programme assez hard qui va bien bousiller le dos. Donc, je t'invite à rester là si tu sais faire des tractions et de les faire quand même en début de séance avant de commencer cette vidéo. Mais aussi, je tiens à dire que c'est un programme qui est parfait pour ceux qui n'arrivent pas à sentir leur dos ou pour ceux qui ont un retard au niveau du dos. Si tu es une personne qui a la chance d'avoir un dos bien musclé, un dos bien avancé, c'est une séance qui va parfaitement te convenir. Parce que là, on va travailler sur des tempos qui vont te faire du bien, qui vont bien bousiller ton dos, qui vont améliorer ton dos encore plus. Donc, si tu as un point fort dos, tu auras encore un meilleur dos. Si tu as un point faible dos, ça va améliorer ton dos. D'accord? C'est le plus important. Donc, prépare ton dos, prépare-toi, échauffe-toi. Si tu fais des tractions, fais tes tractions et on se rejoint directement après. Bon, l'échauffement s'est bien passé. Là, je suis un peu chaud. Je sens que, voilà. J'ai encore les articulations à chauffer un tout petit peu, mais ça va se faire dans l'exercice. Premier exercice, on va faire du bûcheron avec haltère. Je précise, bûcheron avec haltère se fait avec un banc. Tu prends un banc ou une chaise, peu importe. Tu mets un genou dessus, d'accord? Hop, une main sur le banc et tu prends ton haltère. Là, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va lever 2 secondes et on va redescendre. Mais quand tu descends, tu ne redescends pas d'un coup. Tu essayes de contrôler la descente, pardon, et tu restes bien bas, d'accord? Et après, on remonte. Parce que plus on va chercher bas et plus on tire, mieux ton dos bossera. Ce sera un exercice assez dur qui fera mal. Donc, vérifie les charges que tu portes avant. On va se faire 5 fois 10 répétitions. Allez, hop, c'est parti. Allez. Une, deux. Une, on descend bien bas. Une, deux. Deux, super. Allez. Une, deux, trois. Ok. Une, deux, quatre. Allez. Une, deux, cinq. Allez. Une, deux, six. Allez. Une, deux, sept. Allez. Une, deux, huit. Allez. Une, deux, neuf. Allez. Une, deux, dix. Hop. Passe à l'autre côté. L'avantage, c'est que je peux faire glisser l'haltère en bas. Et on y va. Une, deux, une. Allez. Une, deux, deux. On descend bien bas. Une, deux, trois. Allez. Une, deux, quatre. Allez. Une, deux, cinq. On construit. Une, deux, six. Allez. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Hop. Je mets mon temps de repos. On est bien. Juste prendre mon eau qui est derrière la caméra. Pour une fois, je ne l'ai pas préparé. Hop. Je la prends. On est bon. Comme ça, je vais prendre ma petite gorgée. Repos, 1 minute 30 de repos. C'est important. Je mets mon petit trait. Oh. Bah, je te parlerai de. Dans ce programme-là, je te parlerai un peu de ce qui s'est passé en Suisse, d'accord? Parce que si tu m'as suivi sur Instagram et un peu sur YouTube, tu sais que je suis parti en Suisse pour faire quelques vidéos, d'accord? Pour mon travail, mon activité. Je fais de la photo, de la vidéo, je suis parti en Suisse avec un client. Tout s'est bien passé.
Je devais travailler beaucoup plus longtemps en Suisse, mais ça ne s'est pas fait malheureusement, d'accord? J'ai juste fait un petit mois là-bas, on va dire, et on n'a pas poussé plus loin le contrat. Mais ça, je te l'expliquerai dans ce programme-là. Sachant qu'il y avait des belles offres, un salaire plus que convenable, d'accord? On va pas se mentir entre nous, on va se cacher un salaire vraiment loyal, mais voilà, j'ai pas accepté certaines conditions. Bon, on passe hop à la suite, on y va. Je prépare l'haltère, prépare-toi et on y va. Une, deux, une, deux, deux, on descend bien bas, allez, une, deux, trois, une, deux, quatre, allez, une, deux, cinq, une, deux, six, allez, une, deux, sept, une, deux, huit, allez, une, deux, neuf, une, deux, dix. Oh. L'autre côté, prépare-toi tranquillement. Hop, on y va. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Allez, une, deux, quatre, c'est rien. Une, deux, cinq, ça a mal. C'est que ça bosse si on a mal. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Je sais même pas si je compte correctement. J'ai l'impression d'avoir loupé certaines reps. Je suis KO. Ouh, mais on est que à deux. On a deux répétitions. Repos, une trente, tranquillement. Donc ouais, je te disais, mon but en Suisse, c'est de faire des photos, vidéos pour une société, dynamiser leur réseau, leur Instagram, histoire d'aller loin pour cette société et pour moi aussi en termes de vidéos. De base, il devait avoir une perspective où je devais juste bosser pour le réseau social, d'accord? Pour qu'ils puissent gagner en abonnés, pour qu'ils puissent gagner en clients. Mais après, voilà, mon travail a plu, a beaucoup plu à la société, a beaucoup plu à certains clients de leur société. Et du coup, ils voulaient ouvrir une branche vidéaste, d'accord? Une branche où, voilà, eux, ils m'auraient des clients, je fais des vidéos, et eux, ils prennent derrière une contrepartie, d'accord? Ils prennent un pourcentage des vidéos que je fais, en plus de mon poste actuel chez eux, ok? Bah, j'ai bien aimé, tu vois, je me suis fait, ouais, ça peut être bien. Et c'est tout à fait légitime qu'ils m'apportent des clients et ils ont un pourcentage. Je me disais, ok, tu vois. Mais il y a une petite clause qui m'a fait que, ah, franchement, non, ça m'intéresse pas. Et là, il reste 10 secondes, on va reprendre. Oh, ça, je suis KO. Allez, hop. Là, on a la troisième. On y va. Hop. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Ok, l'autre côté. On y va, on perd pas de temps, on bosse le dos. Une, deux, une. Une, deux, deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux et dix. Oh. Le temps de repos. Hop. Le trait. La petite gorgée d'eau.
Oh. Alors, là, la condition qui m'a pas plu, c'est que je devais appartenir à la marque, d'accord? Enfin, à la société. Je devais appartenir à eux en vidéo. Ça veut dire que j'avais plus le droit de filmer quoi que ce soit, n'importe qui. Je pouvais pas filmer des gens que j'aime bien, d'accord? Je pouvais pas faire des clients de mon côté. Je devais faire simplement les clients qui me rapportent, ou si je trouve un client, ça devait être négocié avec eux pour qu'ils prennent un pourcentage dessus. J'ai pas trouvé ça très clair et je leur ai fait part que j'ai pas trouvé ça très clair justement. Et ils ont pas voulu poursuivre l'offre, ok? Même si qu'ils m'ont dit que voilà. C'est une erreur de ma part parce que le contrat, l'argent aussi, l'argent ça. Mais les mecs, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Faut être content de ce qu'on fait, faut être content de ce qu'on a. Si on juge que par l'argent, on va pas aller loin malheureusement. On va pas aller loin. On reprend. Allez, 4. C'est avant-dernière. Allez, hop. Une, deux, une. Une. Deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, allez, une, deux, huit, c'est rien, une, deux, neuf, une, deux, dix, ok, l'autre côté. Je te laisse prendre le temps, tu prends ton poids. 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. Une, deux, neuf, une, deux, et 10. Oh. Oh. On met le temps de repos direct, on triche pas. Mon petit trait, 4. Et voilà. Oh. Je dirais pas le nom de la société en question. Mais je te dirais le salaire. Moi, tu vois, on est ensemble. On s'entraîne ensemble. En l'occurrence, c'est moi qui parle, c'est toi qui écoutes. Mais on m'a proposé 4 000 euros. Enfin, dans les 4 000 euros nets, tu vois, en début de carrière, plus les commissions que j'irai en tournage si on m'apporte des clients. Ça veut dire que je prends. C'est-à-dire que je pense que on frôle les 5, 6, 7 000 euros par mois. C'est très, très beau. C'est intéressant, on va pas se mentir, c'est intéressant. Mais voilà, il y a des trucs qui me plaisent pas. Tu vois, moi je veux ma liberté. J'ai pas acheté une caméra à plus de 4 000 euros et des objectifs pour être attaché à quelqu'un. D'accord? C'est pas possible. J'ai pas acheté une caméra pour appartenir à une société. Non, moi je veux ma liberté. Malheureusement, je vais pouvoir te faire des vidéos sur YouTube en étant tranquille. Je vais pouvoir filmer des personnes que j'aime en étant tranquille. Je vais pouvoir faire des projets de mon côté en étant tranquille. Je vais être tranquille, peu importe les sous, peu importe l'argent. Oh, on va reprendre bientôt pour la dernière. Allez, on se prépare tranquillement. Ah, c'est la cinquième là, ok? On fait les choses bien. On y va. Hop. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, dix. Voilà. L'autre côté. Allez, ça fait mal, mais c'est ça ou rien. Une, deux, une, deux, deux, une, deux,
3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Oh. Ouh. Je mets mon temps de repos, mon cinquième trait. On est good. Ok, on prend 2 ou 3 minutes de repos. Moi, je vais pas te mentir, je vais prendre 3 minutes de repos et on passe au deuxième exercice. Deuxième exercice, on va se faire du rowing à la barre. D'accord ? Si t'as pas de barre, tu peux faire du rowing aux haltères, c'est pareil. Moi, je prends la barre pour une question de confort. Et le rowing à la barre, on va se faire en prise large, ok ? Ça veut dire que si t'as une barre, tu prends le plus large possible, hop, et tu peux faire ton rowing tranquillement. Et les haltères, ben, tu prends un peu plus large aux haltères et tu fais ton rowing aux haltères. Alors, le rowing, pour qu'on soit bien d'accord, mouvement de départ, hop, on prend la barre, si tu veux, je te le fais là. Ma barre, elle est un peu surélevée, comme ça, j'ai plus de facilité. Mais si elle est par terre, hop, là, tu vas pas trop voir le mouvement, je vais avancer un peu la barre. Voilà, comme ça, tu vas bien voir le mouvement. Tu prends ta barre, hop, tu fais un mini soulevé de terre, tu longes la barre le long des jambes et après, tu te places. Tu mets bien les fesses en arrière et hop, tu montes ta barre. Tu descends, tu montes ta barre, tu descends. Ok ? C'est que les bras qui bougent. Mais tu mets bien les fesses en arrière. C'est important. Pour une question de confort, tu peux faire comme moi, surélever un tout petit peu la barre. Comme ça, tu n'as pas le petit soulevé de terre à faire. Si, comme moi, tu as un point fort au niveau des biceps, fais le rowing en pronation. C'est-à-dire que tu hop, prends cette prise-là et pas cette prise-là, ok ? Pas de supination. Parce que supination, quand tu vas faire ton rowing, c'est tes biceps qui vont prendre. Moi, si je fais ça en supination, c'est que mes biceps qui vont travailler, j'ai les bras en point fort, ok ? Donc, si tu as du mal à avoir un dos, c'est certainement que tes bras, ils sont un peu comme les miens. Donc, il faut contrecarrer ces plans-là, ok ? On va se faire 4 fois 10 répétitions avec 2 secondes de contraction. Et oui, on va se faire mal. J'ai beaucoup parlé, mais on y va. Allez, hop, je prends la barre. Position de départ, on y va. Une, deux, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Hop. Hop, je mets mon temps de repos et mon premier trait. Ouh. Bah du coup les mecs, je partirai plus en Suisse pour le moment. Quoique, j'ai eu une demande. Il y a une personne qui m'a dit, qui habite en Suisse, qui m'a dit qu'elle aimerait bien me voir et bosser avec moi. Donc, à voir, hein. On verra. Tu vois, sachant que ce qui est bien en Suisse, ben, le SMIC n'est pas le même. Donc, les salaires ne sont pas les mêmes. Et l'argent que tu gagnes, ben, c'est pas pareil aussi. Mais on verra, ok, on verra, clairement. Mais pour l'instant, je compte rester sur Paris et évoluer tranquillement sur Paris. Ouh. Halloween, ça fait mal. Hein. C'est un mouvement où il faut être prêt. Par contre, le rowing, il se peut que tu entends plein de personnes te dire « Bon, le rowing, pour les débutants, faut pas le faire, faut éviter et tout. » Moi, personnellement, je préfère faire du rowing, apprendre aux débutants à faire du rowing, parce que dans tous les cas, un débutant finira par devenir pro. Il faut passer le cap à un moment donné, et nous on est là pour passer le cap et aller plus loin, et on le fait maintenant. Bon, là on va aller, hop, oh, allez, hop, prise large, toujours, ok, pour
faut avoir un dos bien large. Hop, allez. Position de départ, fesses bien en arrière, on y va. Une, deux, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, 10. Ok. Oh. Temps de repos, c'est le plus important. Voilà. Hop, deuxième trait. Oh. J'ai dit 4, mais je pense qu'on va en faire 5. Je pense que là, je suis chaud. On va en faire 5. Oh. Mais sinon, les mecs, Road to Jika, d'accord? Road to Jika. Je sais pas, je suis à combien d'abonnés pour le moment, et ni même quand tu auras la chaîne, je suis à combien d'abonnés. Mais là, actuellement, on est en novembre. Enfin, si je sais, je suis à 6000 abonnés. Je suis à 6000 abonnés, on est en novembre. Ça va être dur d'avoir 10 000 avant janvier, mais on va les avoir tranquillement. Road to Jika, c'est parti. On va faire les choses bien tous ensemble. Mais je vous remercie pour les commentaires, les likes, les partages. Les personnes qui suivent les programmes, qui s'entraînent avec moi, qui évoluent avec moi, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Par contre, je sais qu'il y a plein de personnes qui s'entraînent avec moi et qui sentent une stagnation, d'accord? Je vais en faire une vidéo complète, mais j'en parlais ici. Faut monter les poids, faut monter les charges, les mecs. Faut monter les charges. Parce que moi, je fais mes programmes avec des charges assez légères, d'accord? Mais faut monter les charges. Tu fais 1, 2, 3 programmes avec moi, c'est bien, mais après, monte les charges et là, tu vas évoluer. Ok? C'est important. Bon, là, on arrive à 1,30. C'est parti. Allez. C'est la troisième, là. C'est la troisième. Hop! Allez, on y va. Fesses bien en arrière. Une, deux, une, deux, deux, une, deux, trois, une, deux, quatre, une, deux, cinq, une, deux, six, une, deux, sept, une, deux, huit, une, deux, neuf, une, deux, dix. Hop. Allez. On a 3. Il en manque 2. Il en manque 2. Ouh. Je suis même pas allé à la salle aujourd'hui en plus. Oh. Bon. Aujourd'hui, je devais aller à la salle, tu vois. Mais je suis pas allé à la salle pour la simple et bonne raison que je devais faire des photos, ok? MyProtein, j'ai reçu les vêtements là, mon colis avec les vêtements et tout. Et je me suis dit, bon allez, ce mois de novembre, on va faire plein de contenu sur Instagram. D'ailleurs, si je me suis sur Instagram, j'ai fait plein de vidéos, plein de photos pour ce mois de novembre, histoire de montrer à la marque que voilà, je fais des choses pour vous, j'existe, je fais du contenu et que vous ne m'avez pas pris en ambassadeur pour rien, je dors pas comme certains. Donc moi voilà, j'ai une valeur et vous ne m'avez pas pris pour rien. Donc voilà. Mais j'ai pas pu aller à la salle malheureusement. En revanche, demain on est le 11 novembre. 11 novembre, il me semble que c'est un jour férié. Faites du travail. Faites du travail, ça veut dire que normalement il n'y aura personne à la salle. Parce que les gens ils se reposent, ils prennent des ponts et tout. Demain là, on va envoyer une séance, peut-être même vidéo programme à la salle. Donc ça peut être cool. Ouh. D'ailleurs, je compte sur vous. Pour tous les abonnements. Pour les 10K. Pour les futurs gros programmes en salle de sport. On va repartir. Hop. C'est la quatrième là. Avant-dernière. Allez. Avant-dernière, les mecs. Avant-dernière. On y va. Hop. Large. Oh. Ok. Fesses bien en arrière. On y va. Une, deux. Une. 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2,
7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Ok. Putain, je suis mort. Oh, je suis mort. Quatrième, il en manque une. Ok, il en manque une. Après, on est bien. De base, je voulais en faire 4, mais on va en faire 5, les mecs. On va en faire 5, on va avancer. Désolé si j'ai les mecs, or qu'il y a des femmes qui regardent, qui s'entraînent, parce que c'est le dos, c'est important. Mais j'ai trop l'habitude. J'ai commencé plus de 3 ans avec la chaîne YouTube où il n'y a que des mecs. Donc je sais qu'il y a certaines femmes qui regardent, qui suivent l'entraînement. Ça fait très plaisir. Mais c'est l'habitude, je suis désolé. Oh. Faut que je bois un peu d'eau là, parce que là, la dernière elle va être noire. Comme je l'ai dit et redit les gars, les femmes sur le programme, enfin sur mon objectif sur YouTube, c'est de faire des programmes en salle de sport. Je lui dis à chaque fois, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Pour que je puisse aller dans les salles de sport, réserver une salle de sport gratuitement et faire des gros programmes en salle et retourner le feed game, d'accord? Parce que en vous proposant des programmes gratuitement, clairement, je nique le feed game. Non, ils sont pas contents, mais on est là pour progresser, on est là pour avancer, ok? Oh, moi, je suis là pour apprendre aux personnes à être autonomes et ne pas avoir de coach. 1:30, c'est la dernière. Allez. Hop. Oh. Oh. On prend un large, ok? On fait ça bien. Allez, hop. On y va. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Oh, hey. Ok. Hey. Je mets mon temps de repos, c'est important. Oh. Bon. Là, j'ai mal, clairement. On prend 2 ou 3 minutes de repos. Personnellement, on va pas se le mentir. Je vais prendre 3 minutes de repos et on se retrouve tranquillement pour le dernier exercice. Dernier exercice, on va se faire un muscle important, les trapèzes. Les trapèzes, c'est très très beau, c'est esthétique, d'accord? Quand tu mets un débardeur et qu'il y a des trapèzes, c'est très très beau. Pour ça, moi j'ai pris 2 poids de 10 parce que j'ai des poids où il y a des prises agréables, d'accord? Mais tu peux prendre aussi tes haltères, ok? Tu vas prendre, hop, les 2 poids de chaque côté. Tu vas, hop, décaler un peu tes épaules vers l'arrière. Tu vas les mettre vers l'arrière. Et hop, on va monter et bloquer 3 secondes, ok? On va se faire 5 fois 10 répétitions tranquillement, ok? Pour avoir des bons trapèzes. C'est un exercice chill, tranquille, qui fait du bien et qui marquera cette fin de séance, ok? Allez, on y va. Hop. 1, 2, 3. On reste 3 secondes, ok? 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. Ok. Voilà. Je prends, hop, temps de repos. Par contre, là, on va prendre 1 minute de temps de repos. C'est un exercice qui bousille beaucoup moins que les 2 premiers. Donc, on prend un temps de repos plus rapide. Si tu sens que tu as trop mal, prends un temps de repos plus long.
prends 1 minute 30. Donne-toi 30 secondes en plus, mais normalement, je pense que 1 minute, ça devrait bien suffire. Ok? C'est les trapèzes. C'est tranquille, c'est important de les bosser. Je sais que beaucoup de personnes mettent très très lourd pour les trapèzes. Il faut pas faire ça, je trouve que c'est une erreur personnellement de mettre très très lourd. Il faut les travailler, hop, avec un tempo, 2-3 secondes et on est bien. Mais bon, moi j'aime bien mettre 3 secondes pour les trapèzes. Même si que pour moi c'est un point fort, mes trapèzes ont toujours été présents malgré multiples exercices. Mais si je les avais en point faible, j'aurais mis 3 secondes. Et dans tous les cas, pour les biceps, je vais les travailler comme si je les avais en point faible. Du moins, je tenais un programme comme si je n'avais pas de biceps. Qu'est-ce que moi, j'aurais fait, clairement. Allez, on part pour, hop, la deuxième série. Hop, on met les épaules en arrière. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Deux. Une, deux, trois. Trois. Une, deux, trois, quatre, une, deux, trois, cinq, une, deux, trois, six, une, deux, trois, sept, une, deux, trois, huit, une, deux, trois, neuf, une, deux, trois, dix. Ça tire un peu, ça tire, je sens que ça tire, je sens que ça fait mal. C'est ça qui est bon, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est des petits programmes que je te propose. Trois exercices qui font bien mal. Comme tu le vois, les exercices ne changent pas que les premiers. Ce qui change, c'est un peu ça, c'est plus le tempo. Il y a 3 secondes, ça fait un peu plus mal. Après, on va mettre des séries un peu plus longues, on va chercher des 12 répétitions, tu vois. On ne s'éloigne pas de la prise de masse, ok? Savoir une chose, comme je dis souvent, tous mes programmes de musculation sont pour l'esthétique, sont pour les personnes qui veulent voir leurs muscles, sont pour les personnes qui veulent être dessinées, d'accord? Qui veulent être volumineux, bien tracés, qui veulent être bien à la plage. Je m'en fous de la force, je m'en fous de la performance. Moi, c'est le paraître seulement. Et je l'assume. Moi, j'ai fait des programmes pour ça, clairement. Et là, on repart. Allez, c'est la troisième. Hop, on y va. On fait les choses bien. Une, deux, trois. Une. Une, deux, trois. Deux. Une, deux, trois. Trois. Une, deux, trois. Quatre. Une. 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, allez, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, ok. Est-ce que la troisième? C'est que la troisième, il en manque deux, il en manque deux. Hop, temps de repos, c'est parti. On a la troisième. On est bien. Par contre, demain, je ne sais pas ce que je ferai à la salle. Parce que là, mine de rien, c'est une petite séance d'eau, mais elle fait mal, tu vois. Elle fait très, très mal. Je dois te montrer ma séance d'eau aussi en salle de sport. Donc peut-être que demain, je filmerai les exos que je fais pour lui en salle de sport. Mais ça va me faire très, très mal. Mais je verrai. Peut-être les jambes. Ah, les jambes, clairement, j'ai pas envie de les faire. Mais je dois les faire, d'accord? Je dois les faire, c'est important pour soulever beaucoup plus lourd, pour améliorer le haut du corps, faut bosser le bas. Mais ouais, je verrai ce que je ferai. Ouh. Là, je sens que les haltères sont super froids, mais mon corps est chaud. Mais cet hiver-là, je pense qu'il commence. En novembre, il commence, sérieusement. Et je suis pas prêt, les gars, je suis pas prêt. Tiens, je suis parti en Suisse à la montagne là et je crois que j'allais mourir. Bon, on y va pour la quatrième. Allez, avant-dernière. On fait ça bien, on est sur la fin. Hop. Une, deux, trois. Une, deux, trois. Deux. Une, deux, trois. Trois.
Une, deux, trois, quatre. Une, deux, trois, cinq. Une, deux, trois, six. Une, deux, trois, sept. Une, deux, trois, huit. Une, deux, trois, neuf. Une, deux, trois, dix. Ouf. Temps de repos d'abord, très important. Il en reste une. Il en reste une et le programme ensemble est terminé. Ah. Oh, franchement, là je suis KO. Je suis vraiment KO. Mais j'ai hâte qu'on fasse ce même type de vidéo dans une salle de sport. J'ai hâte parce que ça va aider beaucoup de gens. Ça va aider beaucoup de gens. Parce que tout ce qui est e-book et tout, franchement, c'est bien. Mais si on peut faire un programme ensemble, je peux avoir des conseils d'une personne qui a tout appris sur le terrain. Ça peut être bien aussi parce qu'il y a des machines qui peuvent être utilisées de plusieurs façons à la salle. Et si on peut te les montrer et tout, ça peut être cool. Sans te dire que dans la biographie, il y a un programme payant et tout, ça peut être cool. Parce qu'il y a trop de gens qui vendent des programmes qui servent à rien, des trucs inutiles, des trucs tout faits alors que... On sait, ils peuvent te les montrer gratuitement. Ils ont pas envie de le faire. On fait la dernière, on fait ça bien, ok. On va au bout. Et on y va. Allez, 3, 2, 1, hop. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, ok, hop, hop, voilà. J'ai mon cinquième trait. Le temps de repos, j'ai pas besoin de le mettre et je suis très content de ne pas le mettre. Et ce programme est terminé. Donc, merci de l'avoir fait avec moi. J'espère que ça a bien fait mal, ça a bien démonté le dos. C'est important. Si t'as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. Comme on a dit, on a tout 10 000 abonnés. Ok, on y arrive doucement. Mais sûrement, mais ça va le faire. Ok, rejoins le Discord. Et t'as mon lien aussi, MyProtein, qui offre... Ah, je sais plus. Tu sais que pour Blafades, t'as un peu plus. Je sais pas si on est passé à moins 38 ou je sais pas. Mais de toute façon, t'as mon lien, Dams, sur MyProtein et en description aussi. Et abonne-toi. Enfin, ouais, je crois que j'ai déjà dit abonne-toi à la chaîne. Ok, bon. Sur ce, moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. I need to know everything, who in the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but I like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, a five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws, to turn to a ghost, I need to know everything. Now you'll be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk.